Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai concocté un petit tabata assez sympa, pas trop traumatisant mais bien dynamique. Donc comme d'hab j'ai sélectionné 6 mouvements, je veille à ce qu'on puisse allier le cardio, le renforcement musculaire surtout la chaîne musculaire. Et voilà, après le rythme c'est vous qui l'adaptez. Après si ce que je vous propose c'est pas assez intense parce que je vous fais 6 séries de 20 secondes, dans ce cas-là, vous notez les exercices sur un bout de papier, comme ça vous les visualisez et vous faites sur 30 secondes, voire 40 si le cœur vous en dit. Donc, petit tabata que je vous ai proposé, on va démarrer sur un squat et burpees. Squat, burpees, squat, burpees. Autant pour moi, mais vous avez bien vu que c'était pas un burpees. Donc, c'est squat, jumping jack. Ensuite, on va travailler le cardio, on va mettre la tablette. Soit mettez la tablette comme ceci, soit vous tirez sur les coudes. Vous pouvez alterner les deux, c'est pas grave. Ensuite, on va faire fente arrière. Donc là, attention, c'est fente arrière, retour, coup de genou opposé. Je m'explique. Donc on descend ici, quand je remonte, c'est 1 ici. Je descends ici, quand je remonte, c'est 1 ici. Je descends ici, quand je remonte, c'est 1 ici, d'accord? Si c'est compliqué ou vous ne ressentez pas, vous faites que la fente arrière. Ensuite, on va descendre en appui avant. On va faire une pompe et un semi-burpees. Je m'explique. Donc on est là, 1, je reviens. Dans cette position, c'est-à-dire que je décroche et je suis dans cette posture. Je reprends appui, une pompe et hop, dans cette position. Je rappelle, c'est comme je dis aux enfants, l'important c'est pas la quantité, c'est l'exercice fait parfaitement bien. D'accord? Ensuite, on descend au sol à nouveau. Là, les mains le long du corps, on va décoller jusqu'aux épaules, descendre ici, revenir. Décoller, revenir. Décoller, revenir. Et. Sixième et dernier exercice, on va faire, en partant de debout, je vais aller en position de planche et je vais faire un toucher épaule et je vais me relever. Donc on est là, tac, 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 une fois que je suis en planche, 1, 2, et je reviens. Et je repars, 1, 2, voilà. Donc on a nos 6 exercices. Donc vous êtes prêts pour partir pour 6 exercices. 6 séries. Donc j'ai mis 20 secondes, 10 secondes. Privilégiez toujours le geste parfait. Et si vous l'avez, le geste parfait, parce que vous vous entraînez régulièrement, donc dans ce cas-là, augmentez le rythme. Mais on n'augmente pas le rythme si on n'a pas la gestuelle parfaite. D'accord? Donc on est parti. Je vais mettre en marche le timer. C'est parti. Flexion. Jumping jack, flexion, jumping jack. Voilà. Ensuite, montée de genoux, soit en faisant la tablette, soit en tirant sur les coudes. Moi, en tirant sur les coudes, ça m'aide plus. Ensuite, on va faire fente arrière plus coup de genou. Ensuite, appui avant pour faire une pompe et un demi-burpees.
ensuite, à rester au sol. Lancer les jambes par-dessus les épaules. Et sans toucher le sol. Suite planche plus touche épaule. Première série terminée. On repart pour les squats jumping jack. Montez le genou. Ensuite, fente arrière, plus coup de genou. Posé. Ensuite, appui avant, une pompe et semi-burpee. Ensuite, abdos, on balance les jambes par-dessus la ligne d'épaule, comme ceci, on ramène, on tend les jambes, sans poser les pieds. Ensuite, on va faire la planche, touche épaule. Deuxième série terminée. On va repartir pour la troisième série.
troisième série est terminée. On va attaquer la quatrième. Quatrième série terminée, on va attaquer la cinquième. Thank you.
cinquième série terminée. On attaque la dernière. Voilà. Voilà, séance terminée. Donc comme vous avez pu constater, on a fait des temps courts, 20 secondes, 10 secondes. Bon, là c'est un petit peu copieux, parce qu'on a eu un petit peu toutes les façons de travailler. Alors je dirais le fait de mettre que 10 secondes, et à l'issue de la série que 10 secondes, là, on est plus sur un travail de résistance. C'est-à-dire que on utilise peu de repos. Donc là, le travail de résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient piocher dans son mental pour tenir la distance. Donc les exercices, vous les avez. Si c'est pas assez copieux, vous augmentez. Si c'est assez copieux et vous faites une belle gestuelle, vous mettez le paquet. Si vous avez la caisse et vous êtes capable de faire 30 secondes, j'ai envie de vous dire, bah, gardez 20 secondes. Et les 20 secondes, par contre, vous vous cramez. Ça complétera les 10 secondes. C'est-à-dire que plutôt que de faire 30 secondes à un rythme bon, mais régulier, dites-vous que si vous avez la caisse, gardez ce rythme 20 secondes et à vous d'augmenter la fréquence de tous les exercices. Et vous verrez que même 20 secondes, on peut se cramer les grammes. Donc j'espère que vous suivez un petit peu les vidéos, que si vous les suivez, ben, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous libérer l'esprit et les tensions de la journée avec tout ce qui se passe. Donc prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère, sur les tatamis, parce que ça me manque, mais grave. Donc je compte sur vous pour garder la pêche.